Arène. Depuis que l'Overmind et ses scélérates sont morts, tous les herbes de ce secteur sont passés sous votre contrôle direct. Les restes de la flotte du Directoire ont fui, et je n'ai malheureusement aucune estimation du nombre de vaisseaux dont ils disposent encore. Les ruches ont été transférées sur cette plateforme orbitale. Nous avons tout de même un problème. Zeratul et ses Templiers Noirs ont réussi à s'infiltrer et à libérer leur matriarche. Zeratul, c'est un adversaire dangereux. Où sont-ils allés, Duran ? Nos unités de reconnaissance indiquent qu'ils ont rejoint un groupe de survivants Protoss à la surface de Char. Ils maintiennent la matriarche dans un champ de stase, ce qui me laisse penser qu'ils vont tenter de la ramener sur Shakura. Ils pensent encore qu'elle peut échapper à mon influence. Zeratul sera déçu d'apprendre que Razagal est pleinement sous mon contrôle, et qu'il ne pourra rien y faire. Combien nous reste-t-il de temps avant que leur flotte ne parte pour Shakura ? Ils seront prêts à effectuer un saut dimensionnel dans moins de 30 minutes, ma reine. C'est plus de temps qu'il nous en faut. Mobilisez toutes mes nuées et envoyez-les sur Char. Je veux que vous me rameniez la matriarche Zeratul vivant. Éliminez les autres Protoss. Thank you.
Il nous faut plus de gaz d'esprit. Thank you.
Thank you.
gaz d'esprit. Les forces sont attaquées. Thank you.
maudite, Kerrigan, pour ce que tu m'obliges à faire. Merci, Zeratul. Tu m'as libéré de son emprise. Tu m'as toujours servi avec honneur. C'est pourquoi je te demande de diriger ma tribu. Je dépose leur avenir entre tes mains. Je n'arrive pas à y croire. Vous avez tué la matriarche de votre peuple? Je préfère la voir morte, mais libre, que vivante et esclave de tes désirs, Kerrigan. Je vous avais mal jugé, Zeratul. Vous êtes plus valeureux que je ne le pensais. Vous pouvez partir. Pardon? Comme je viens de le dire, vous pouvez partir. J'ai déjà pris votre honneur. Je vous laisse vivre, car je sais qu'à compter de ce jour, votre vie ne sera plus qu'une torture perpétuelle. Vous ne pourrez jamais vous pardonner ce que je vous ai obligé à faire. Et cette vengeance, Zeratul, me procure bien plus de satisfaction que votre mort. Vous regretterez cette décision, Kerrigan. Nous reverrons.